Alors moi, ça représente mon quotidien depuis l'âge de 10 ans, donc un peu plus de 25 ans, à raison de 5 à 8 sondages par jour, et ça se passe plutôt bien. C'est important de commencer avec les professionnels de santé, évidemment, pour apprendre les bons gestes. Mais après, ça permet quand même d'être en autonomie totale. Donc moi, je me débrouille tout seul au quotidien. Je pense que c'est irremplaçable pour mon cas. J'avais énormément de soucis urinaires avant de me sonder, puisqu'à cause de mon handicap, je ne peux pas vider ma vessie entièrement. Donc moi, le sondage, c'est obligatoire. Je pense qu'il faut en parler, c'est important que ça soit une méthode douce ou une méthode choc, mais l'important c'est vraiment de faire tomber les tabous par rapport à tout ça et autour de ce sujet et de pouvoir en parler librement. Moi je pense qu'il faut en parler, il faut pas se cacher, il faut pas le cacher. Évidemment c'est compliqué peut-être pour un public valide ou qui n'en aurait pas besoin de comprendre, mais moi dans mon entourage en tout cas, une fois que les gens ont vu ce que c'était et puis ont compris un peu comment ça fonctionnait, bon bah voilà, je vais aux toilettes comme tout le monde et puis tout se passe bien.